Salut tout le monde, c'est Solarius. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 29. Oui, 29 je pense. De Lego Star Wars, la saga complète. Sur PC. Et on se dirige tout doucement vers la fin de l'épisode 5. Hein. Caddy. Chapitre 5, épisode 5. Oh, encore un moment d'anthologie. Un piège dans la cité des nuages. Épisode 5, l'Empire contre-attaque. Chapitre 5, piège dans la cité des nuages. Alors que Luke Skywalker s'entraîne à devenir un Jedi depuis plusieurs semaines, il a une vision. Dark Vador a capturé ses amis. Contre l'avis de Yoda, le jeune et impétueux Jedi décolle à bord de son chasseur X-Wing et fonce vers la cité des nuages. Là-bas, il espère retrouver Han Solo et la princesse Leia. Mais il ignore que le piège imaginé par Dark Vador est en train de se refermer sur lui. Je suis déjà mort deux fois. En plus, bêtement à chaque fois. Mais... Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train... Oui, voilà. Regardez qui on contrôle. Luke Skywalker sur Bespin. Ça, franchement, c'est pas... je trouve ça vraiment inutile, mais bon. Un personnage, mais bon, ça va encore. Parce que un des défauts que j'ai trouvé au nouveau jeu Lego, c'est que. Ouf. J'ai toujours peur de me rater avec ce truc là. Vous voyez qu'on a la brique rouge derrière un truc seulement destructible par les chasseurs de primes. Donc disais-je, un des gros défauts des nouveaux jeux Lego. C'est quand même qu'ils mettent des... Alors, c'est pas de la publicité mensongère, mais bon, c'est... En fait, je vous expliquais. Là, vous avez un truc du genre une soixantaine de personnages à contrôler, si je me trompe pas. Oui, je crois qu'ils disent qu'il y en a une soixante-dizaine ou... une septantaine, on va dire. C'est plus élégant. J'ai l'habitude de dire 70, hein, mais j'aime bien... J'aime bien les gens qui disent 70. Je trouve ça beaucoup plus logique que 70 en fait. Donc. Là il y a une bonne septantaine de personnages. Alors que. Mais bon voilà, c'est quasiment tous des personnages. À défaut d'intéressants, ils sont uniques quoi. D'ailleurs là vous voyez qu'en construisant je me suis j'ai sans faire exprès attrapé le bonus, hein, ça on pouvait pas l'éviter. Mais donc le... Le problème du nouveau jeu Lego c'est que par exemple maintenant vous avez, je crois que les Harry Potter promettaient une centaine de personnages. Le truc, c'est que quand ils disent une centaine de personnages, ils comptent toutes les variations de Harry Potter. Et croyez-moi, il y en a des tonnes, il y en a... Il y a même Harry Potter chez les Weasley, un truc du genre, mais... C'est du gros n'importe quoi. Donc c'est vraiment des personnages mis un peu pour meubler, pour se dire, ouais, il y a une centaine de personnages, alors c'est cool... Et c'est mieux que Lego Star Wars, mais bon, c'est des personnages mis pour le meublage, quoi. Pareil dans Lego DC Super Heroes. J'ai un accent anglais de merde, hein, je suis désolé. Pareil dans Lego DC Super Heroes, il y a...
promettent un truc du genre 250 briques dorées. Dans ce jeu, il n'y en a que 160, mais au moins, c'est des briques dorées intéressantes à avoir. Dans DC Super Heroes, il y a les briques dorées, enfin, il y en a 250. Mais sur les 250, il y en a peut-être une cinquantaine. Tu dois juste détruire 3 objets dans le temps qui t'est imparti. Enfin, c'est totalement inintéressant. Ouais, c'est un des défauts des nouveaux jeux Lego, c'est que ils ont tendance à faire des trucs juste pour le meublage. Ok, maintenant on se concentre parce que ce boss m'a déjà tué une fois. Je fais exprès ça. Je vais pas du tout faire ça, mais bon, soit. Donc là, vous voyez qu'on doit déclencher de la fumée pour le faire tousser. Ou sinon il esquive nos coups, hein. Je l'ai pas dit, mais sinon il esquive nos coups. Oula. Hop. C'est comme ça que je suis mort, hein. Dark Vador m'a tout simplement poussé dans le vide. Ah, mais c'est pas du tout ça que je veux faire. Bon. Mais tiens d'ailleurs. Voilà, vous voyez que là il esquive nos coups sans qu'on puisse le toucher. Coup, coup, coup. Vous voyez qu'il a esquivé mon attaque de Jedi. Quoi, comment il m'a eu? Il m'a eu. Mais c'est franchement dégueulasse. Alors, une grue. Donc là d'ailleurs R2 ne peut pas accéder, hein, c'est trop loin pour lui. Donc on va devoir... Franchement ouais c'est... C'est un gros problème des nouveaux jeux Lego. C'est bon, ils font semblant qu'il y a plus de contenu, par exemple en mettant une centaine de personnages au lieu d'une septantaine. Au revoir RR2. Ou avec 250 briques dorées au lieu de 160 pour celui-là, mais... C'est pas général hein, ce que je dis, c'est une minorité des briques dorées qui sont pas intéressantes à ramasser dans DC Super Heroes. Mais... Voilà quoi, c'est quand même ça. Vrai Jedi. Pour les minorités. Il y a quand même pas mal hein. D'ailleurs ils nous ont refait le coup pour comment ça s'appelle Lego le Seigneur des Anneaux, ils nous ont refait le coup. Ok, alors... Force... Oui, R2 est stupide. Alors là, pareil, si vous jouez à deux, pour faire un gros troll, c'est que vous quittez la plateforme juste avant que votre poste, juste avant que votre pote n'y arrive. Du coup, la plateforme remonte un peu, et le gars tombe. Pareil avec la grue. Vous pouvez aussi le lâcher dans le vide plutôt que sur le sol. Ça c'est marrant. Mais bon, ça n'a d'intérêt que si vous jouez à deux, bien sûr. Ah oui, alors c'est là que je suis mort. Et maintenant je peux plus passer à Luc maintenant qu'il se fait défoncer par Non mais regardez, si je passe à Luc maintenant, je vais perdre 2 points de vie facile.
Bon écoutez, je vais quand même passer à Luc parce que je suis obligé, mais dans ce cas ça compte pas pour, pour le point de vie parce que franchement sinon là c'est pas possible. Oh, sans blague, j'ai réussi à passer sans faire de... Ça m'énerve parce que pour une fois que je raconte des trucs intéressants, si je meurs, ça va pas être génial de recommencer du début. J'ai même pas pourquoi je... Non mais... Ah ! Mais c'est traître ça, le temps que je prenne mon sabre... R2 tape sur le clone. Voilà. Alors, ce que je voudrais surtout éviter, c'est qu'il y ait les clones plus Vador. Là, ça serait vraiment le... Oui, ben non, justement. Je vais attendre ici qu'il y ait d'autres clones qui viennent. Comme ça, je serais sûr qu'ils viennent pas en même temps que Vador. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit là ou dans mon essai précédent. Mais en gros, si vous... Allez, c'est marrant. En gros, Luke ne peut pas bloquer à la fois le sabre de Vador et les tirs des Stormtroopers. Du coup, vous faites toujours toucher par l'un ou par l'autre. J'avais déjà eu le même problème quand j'avais affronté le Comte Dooku, vous savez. J'avais dû avoir affaire à son armée de droïdes. Et lors de mon premier essai, j'avais pas tué d'abord son armée. Donc du coup, je m'étais fait avoir... Qu'est-ce que tu fous, toi ? Viens m'affronter. Ah ! J'ai bien cru qu'il allait m'en mettre un coup là. Oh mince, non ! Moi, je reste toujours deux cœurs de vie. Faut que je remonte, là, c'est pas possible. Ouais, c'est bien. Ah mais... Ah, oh, c'est pas possible, il m'a touché en même temps que je faisais la force. Ah bah il active tout seul, c'est bien, parce que je me demandais sinon comment j'allais faire. Oh bah là pour le coup ça a été rapide. Oh putain, c'est bon ça, c'est bon. Ah bah c'est pas possible, je suis toujours touché par un bête mort en plus. Oui on va... Ah oui, c'est ça, selon le côté où se met Dark Vador, il faut que R2 aille soit d'un côté, soit de l'autre. Sinon, on activera les mauvais ventilateurs et puis. Ouais. Oh, ta! Rie. Oui.
Ouais, enfin, ça, c'est toujours, je saute trop tôt après. Trop tôt après avoir bloqué, donc du coup, je fais un saut. Je fais un saut pour me mettre derrière l'ennemi alors que je voudrais faire un saut simple et ensuite attaquer, vous savez, pour faire l'attaque. Je saute et puis je descends ensuite en tombe. Genre, comme ça, voilà. C'est plus rapide qu'une explication. Voilà, c'est exactement ça que je vais faire. Boujou. Attends, là je crois qu'il faut que R2 aille activer des trucs pour enlever tout ça. Et passage au droïde. Ouais. Bon, maintenant ils vont que tirer sur Luke, mais j'ai peur de recevoir un rayon même dévié par Luke en fait. Attends, comment ça va se présenter? Bon allez, c'est un coup de timer ça, voilà. Tout est nickel, maintenant je boum. Bien parce que parce qu'il meurt, voilà. Ça fait pas guillotine mais presque, tu vois. Là voilà, maintenant on va éviter de se prendre un machin envoyé par. Ah non, t'en mets pas, je vais voir, je recommence. Ah quoi, mais il a pas pu. Je veux dire, le truc c'est pas. Mais pourquoi je peux pas le renvoyer? Ah voilà. Là je disais c'était un bug hein. Je disais c'était un bug. Oh bite. Ah oh. Non mais je m'en fous, les deux cœurs qui m'ont enlevé là c'était quand même un bug hein. Bon, c'est ça qui est énervant, c'est que du fait qu'il n'y a pas de... Que la mort n'est absolument pas punitive, il n'y a pas trop de... Comment ça s'appelle? Il n'y a pas eu vraiment de correction de bugs concernant les... Ce qui pourrait éventuellement vous coûter la vie. Oups. Ah, c'est énervant parce que le Dark Vernon fait beaucoup reculer quand il nous touche avec son sabre, même quand on bloque. Donc du coup on risque de tomber dans par terre. Ah je vois, lui il s'énerve pas, hein. Il nous fait le saut que font les... Il fait le même saut en fait que font les PNJ quand ils savent pas s'ils peuvent vraiment... Là. J'ai préféré prendre un coup que de tomber éventuellement dans le vide. Hein. Oui.
cœur de vie. Et dire qu'on pourrait avoir la même somme si on... Si j'avais le... Le bonus approprié. Et alors là, c'est vraiment le truc que j'ai peur de tomber pas. Là, c'est pour les clones. Y'a pas de passerelle là-bas. J'ai failli me ramasser. 4 contre 3 D'accord, je veux parler. C'est jouable. 3 contre 3. Ah, mais j'ai peur de faire mon esquive vers l'avant là, vous savez. Et le truc, c'est qu'il y aura presque rien d'autre qui marchera pour le. En fait, je peux que sauter et l'attaquer quoi. Bon, allez. Je vais peut-être essayer pour vos yeux, mais je suis vraiment pas sûr que ça marche. Oh, ça... Putain, oui. Ouf. Ah ouais, je suis quand même dégoûté des bugs de trucs pour retourner la force. Pour retourner la force. Je sais pas si ça se dit, enfin bon, mais... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Du bug qui fait que je peux pas renvoyer le... Le projectile avec la force. Mais on a bientôt un tiers des briques dorées, hein, mine de rien. Enfin... Bientôt. Il en faut encore quelques-unes, mais voilà. Ouais, je suis quand même dégoûté de ce bug, parce que bon... Bon. Alors, je pense même pas qu'il y ait suffisamment de personnages à acheter. Enfin, non, que j'ai suffisamment d'argent, je veux dire, pour acheter des personnages. Ok. Oui, non, je vais pas acheter de personnages maintenant. Bah écoutez, il me reste juste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et à vous dire à la prochaine. Allez, salut !